Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait fait des expériences pour Stanley et on attendait tranquillement que le matin se lève pour pouvoir lui dire le résultat de nos expériences. Sachant que je suis très contente, on a quelques expériences qui ont fonctionné, hein, le soulier qui nous donne de la colle et le minerai de cuivre qui nous donne du fil de câble, c'est plutôt pas mal. Après, je pense qu'on a dû louper quelque chose puisque le concasseur, lui, ne nous a rien donné. Donc je pense qu'on n'avait pas forcément ce qu'il faut ou que je n'ai pas vu qu'on avait ce qu'il fallait. Mais en tout cas, on va pouvoir aller voir ça en jeu. Donc la nuit, c'est terminé. Et nous, on a dit qu'on allait essayer d'avoir du thon. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'y aller par nous-mêmes pour explorer, par exemple, cette zone-là, sachant qu'on a toujours notre objectif d'avoir de l'ectoplasme en bouteille. On va pouvoir, par exemple, essayer de faire ce genre de choses-là pour découvrir un peu la zone. Donc, normalement, j'ai monté un petit peu la musique, qui était très basse. Oh non! Tu as fait tellement d'erreurs! J'aurais pas fait tant d'erreurs! Mon papa disait, ne t'inquiète pas trop avec ça! Ça rendait maman vraiment fâchée! Mon poussin! J'aime bien être sur ce bateau. Je me demandais, est-ce que ce serait possible de me construire une maison? Tu te souviens, les enfants, David et moi, on vivait sur une ferme. Avec de la nature partout autour. Nous avions des chiens et des chèvres. C'était une petite ferme confortable. C'était pas beaucoup, mais c'était Ah, du coup, j'ai peut-être monté un petit peu trop le son. Parce que sur certains moments un peu épiques, ça remonte. On va faire ça ensemble. Option, audio, et on redescend un petit peu la musique du coup, tant pis. Et on commence les ventes. Ah, punaise, j'ai annulé. Réflexe des jeux qui demandent A pour valider. Ah si, je l'ai validé, voilà. J'ai cru que je l'avais pas validé. Ouh. Descends. Allez, Chobiti, on descend. On court, Chobiti. On court plus vite que ça. On grimpe ici, on grimpe là. Là, ici. Il y en a là. Il y en a ici. Il y en a là. On a des choses ici, on a des choses juste là. Parfait. Le petit recoin tout nul. Et voilà. Ça nous fait un petit peu de minerai. C'est parfait. Donc on commence à voir Beverly qui radote énormément. Je commence à le connaître par cœur ce dialogue, malheureusement. Pauvre Beverly. C'est vraiment. Malheureusement, hein, c'est la vraie vie. Hein, c'est. On a vraiment des gens qui perdent la mémoire à ce point-là. Tout comme c'était pas facile quand on a eu Alice. Qui reconnaissait plus les gens. Et qui
était plus capable de nous dire dans quelle réalité elle était, est-ce qu'elle était dans le passé, dans le futur. Puisqu'elle pensait qu'on était sa fille, alors que sa fille était bien plus âgée. Mais comme ça ressemblait à ses souvenirs, eh ben. Voilà, c'est vraiment pas facile, hein, mais c'est la vie, hein. On vieillit et la vieillesse, malheureusement, a quelques mauvais côtés. Et notre Beverly qui perd la boule, eh ben. Il va falloir l'aider, d'ailleurs. Visiblement, elle a besoin de nous. Je vais planter une tomate. Et je vais aller voir ce qu'elle veut. Ah, Stanley. Ah, Bruce et Mickey. Tu es capable. On compte sur toi ici. Montre-nous de quoi tu es capable. Prête. Ok, et vente. Parfait, bon bah Verly va attendre. Ah oui, c'est cette évente-là. On va essayer d'y arriver parce que celui-là. Ils sont trop, faut que je redescende un petit peu. Ah, c'est parfait celui-là. Ah, punaise! Je te vois! Ah, je l'aurais pas. Ils vont bien vite. Et ils slaloment, c'est une horreur! Quand même quelques-uns, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va avoir Beverly. Je vais attendre que. Elle nous refasse la petite pop-up. Écoute, Stella, je sais que quelque chose cloche avec moi, avec ma mémoire, avec ma façon de penser à des choses. Je ne peux plus penser comme avant. C'est très difficile, mais tu es ici, et ça aide. Tu sais quoi? T'en fais pas avec ça. Oui, alors, je me souviens mieux du rêve dont je t'ai parlé l'autre jour, tu sais, celui avec le projecteur et le maïs sucré. C'est exact. Dans celui-là, je regardais les vieux négatifs de papa. Il datait du moment où il a été déployé en Europe. Je ne me rappelle plus quand exactement. Il ne parlait pas vraiment de ses expériences. Il était sûrement complètement à l'opposé de moi. Il a déjà parlé avoir vu de magnifiques maisons. Il a toujours dit que nous aurions dû bâtir notre maison dans ce style. Quel était le nom de ce lieu? Nordweiler? On dirait. Avec un peu de chance, si tu avais ce transparent, ça m'aiderait à m'en souvenir. Oh, et prends ça. Je suis sûre que ce sera utile. Parfait, on a une clé de la maison, on a Stanley qui veut nous parler. Parfois, je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars. Tout le monde de l'école est là. Ma maman et mon papa aussi. Tout le monde crie: tombe, tombe, tombe! Et là, je peux seulement voir le ciel. Il y a du vent dans mes cheveux. Et je me réveille. Quand j'ai peur, je me réveille et mon lit est toujours mouillé. Maman n'aime pas ça. Et. Alors, du coup, on va essayer d'aller jusqu'à ce ton, hein. L'objectif est d'aller jusqu'à ce ton. Ah, et on n'a vraiment pas découvert beaucoup de la carte, donc je vais vraiment devoir y aller petit par petit, sérieusement. C'est pas grave, hein, on va y aller petit par petit. Sachant que, qu'est-ce que je voulais faire? À part nourrir tout le monde.
On a la quête de Beverly. Ce qu'on peut faire, c'est choper un peu d'ectoplasme en bouteille. Je pense que on devrait avoir moyen. Ah, bah, j'ai trouvé Sandwich Walk. Par hasard. Parfait. Du coup, mon chemin continue. Parce que c'était pas ma destination. Mais du coup, je vais mettre ma destination sur Sandwich Walk, hein. Quelque chose là aussi. De la graine de flamboyante. On va aller là. On va aller. Ça fait un bout de temps que j'ai pas nourri à Tulle. Oh là là. J'ai un cadeau pour toi! J'ai trouvé ça dans ma chambre et j'ai trouvé que tu en aurais peut-être besoin. Moi, ce que je voulais faire, c'était jouer avec Jacob. Oh, punaise, j'ai eu un petit lag. Je peux sortir? Je voudrais sortir. Merci. Ils sont ouf. Là, en haut. Punaise. Ah, c'est une horreur ce bateau. Il faut que je le réorganise. Je suis où? Je me vois plus. On en a eu quelques-uns. C'est pas folichon. Ça devrait nous permettre de faire quand même quelque chose. Je vais nourrir Atul. Ouais, Atul est mort de faim. Je te donne un poisson. Je te fais un câlin parce que quand même, il faut. On va cuisiner parce que je pense que ça va être nécessaire du coup. Voilà, Sandwich Walk. Qu'est-ce que je peux cuisiner? J'ai plein d'œufs, plein d'œufs. Non, mais je fais pas des œufs avec de la colle, hein. Je suis pas non plus suicidaire. Si je fais des œufs avec du sucre, ça donne quoi? Faudrait que j'en fasse un peu plus du sucre, j'en ai quasi plus. Des œufs avec du lait. Je sais pas ce que ça va donner. Faudra que je fasse du sucre. Faut que je concasse. Ah, c'est les carottes que je dois pouvoir concasser. On va concasser les carottes pour essayer. Oui, ça donne une expérience ratée. Donc on pourra vendre à Francis, c'est pas grave. On va aller voir ce qu'on a par ici. Alors, on a un mouton qu'on ne va pas ramener chez nous. Hein. Laisse-moi seul dans cette noirceur. Ok, on a un coffre. Le coffre, on prend. Hop. On a pris le pain à l'ail. Je suis fan des publicités! Dis-moi ce que tu en penses! Ce n'est pas de la science! C'est un mode de vie! Ouais, c'est quand même un peu flashy, hein, ton truc, hein. On a encore une de ces choses bizarres qui ressemblent à des ampoules et avec lesquelles on peut rien faire. Je pense que il y aura une subtilité, des choses à faire. On a Stanley! Salut grand chapeau! Sais-tu comment changer de poste? C'est seulement des pubs! Je déteste ça! On peut pas avoir regardé. On peut pas avoir une si grosse télé et regarder seulement de la pub! C'est stupide! Mais j'aime seul avec le gros poisson! Il a l'air si gentil! Ok. Je suis les panneaux, hein. Bêtement. Visiblement, bêtement, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Ok, ici c'est pour les gens qui tombent dans l'eau comme moi, comme des patates. Ok, donc là on a vu. Cet endroit était cool avant. C'était vibrant et décalé. Je me rappelle une fête qui était... Attends, est-ce que je me souviens d'une fête? Il y avait seulement moi? Je me rappelle des gens. Est-ce que c'était vraiment des gens? J'ai vraiment la tête ailleurs. Ok, il y a juste rien d'autre à faire. Oui, parce que là, il y a Stanley, on a déjà été. Ok, il y a juste ça. Et un mouton, du coup, qu'on ne va pas récupérer. On a déjà suffisamment de moutons. Bon, au moins, on découvre un peu. Ah, et voilà, ça nous découvre un peu plus. L'air d'avoir une zone ici avec de l'éclair en bouteille. Parfait, nickel. Ici, on a Irina. On n'a pas forcément besoin d'y aller. La graine de flamboyante non plus. Hein, on sait que notre objectif, c'est le thon. Et on sait que notre objectif, on va galérer. Hein. Mais c'est une autre histoire. J'entends ma cuisine qui m'appelle. J'entends qu'il fait trop noir pour naviguer. Et qu'on a des choses à récolter. On va y aller tranquillement. On va voir si on a récolté suffisamment d'ectoplasme en bouteille pour faire des choses. Je pense notamment soit au cellier, soit à l'horloge de Gustave, histoire de faire avancer un peu l'histoire. Désobouiller. Ok. Ça me va. On sait qu'il y en a un qui va être content. Si je mets du sucre, sérieusement, ça fait des choses avec du sucre. Oui, ça fait forcément quelque chose. Alors, on a ici des œufs. On a là-bas du grain. Donc je dois pouvoir en rajouter. Voilà. C'est parfait. Ça fait un bout de temps que j'ai rien récolté sur les arbres. On va récolter ça tranquillement. On va aussi nettoyer notre bateau. Hop, veux-tu bien? Veux-tu bien? Merci. Ok, on est pas mal. Je vais finir de récolter ici. Et on va tout de suite aller voir ce qu'il nous faut. Combien d'ectoplasmes en bouteille on a récolté. Et ce qu'on va pouvoir en tirer. Alors, allons voir ça. On pourrait faire le cellier, à condition de faire un peu de lin. Je pense que c'est bon le lin, on doit avoir ce qu'il faut. On va pouvoir améliorer la ferme de Beverly. Oui, non, l'horloge de Gustave, on n'a absolument pas ce qu'il faut. Juste la question étant, on en a combien exactement de l'ectoplasme en bouteille? C'est sur celui-là. On en a 12. On a 12 et que j'ai cru voir qu'il en fallait plus que 12. Et donc faire un choix. Est-ce qu'on veut un cellier ou est-ce qu'on veut autre chose? Moi j'aimerais bien le cellier, sérieusement. Donc c'est 10 d'ectoplasme. Et il nous faut du lin du coup.
Donc, on va faire du lin. Je pense qu'on n'aura pas trop de soucis pour faire les ventes une nouvelle fois pour avoir de l'ectoplasme en bouteille. Donc, on a dit du lin. Je pense qu'on peut y aller. Il faudrait qu'on en fasse un petit peu plus. Ça fait pas énorme ce qu'on a. Bon là, on en fait là, trois fois trop, hein, mais... Surtout que je fais même pas de critique en plus. C'est parfait. Notre cuisine est prête. Je sais pas ce qu'on a fait, mais on a fait de la crème brûlée. On va faire. Il y a encore des recettes qu'on n'a pas. Hein. Encore pas mal de recettes qu'on n'a pas. Ça commence à être plein. Niveau recettes, c'est pas mal. Je referais bien un petit peu de café, ça c'est rapide à faire. Et puis avec les poissons qu'on a, on doit pouvoir faire des choses. Parce que Bruce et Mickey n'aiment pas les crustacés, mais le poisson ça devrait le faire. Hein. Après, on sait qu'ils avaient aimé un truc réconfortant de leur maman. Et je suis à peu près incapable de me souvenir ce que c'était. Donc. C'est dommage, hein, mais c'est le jeu. Du coup, on va pouvoir faire notre cellier. Donc, construire. Pas une maison. Construire le cellier qui est un peu gigantesque comme tout le reste hein. Comme d'habitude on va se retrouver à réorganiser notre maison, notre bateau qui voilà, cave à fromage. Donc l'objectif ce sera d'avoir une deuxième vache hein, pour avoir une production de lait un peu plus importante hein, si on en a qui part en fromage. Alors, du hareng, du chou et du lait. Quelque chose me dit que le... Certains disent qu'ils peuvent être mangés une fois fermentés, aussi louche que cela puisse paraître. Donc effectivement, le chou peut devenir choucroute. Je sais pas quoi dire, et le hareng va pouvoir être mangé. Ben on verra ça, hein, c'est... Je pense que ça va commencer à être vide là. Refaire de la farine de blé peut-être. Ouais, je ferai de la farine de blé la prochaine fois. Ce jardin qui pousse, qui pousse. On est déjà le matin. On va aller sonner la cloche dès qu'on aura géré ce jardin. Même si les gens sont déjà en train de se lever sans qu'on ait sonné la cloche, je trouvais plus le mot. Donc le chou, on va le faire hein, du coup. On sait que ça va nous être utile. Tant pis, je ferai ce bout de jardin. Plus tard, je sonne la cloche. Et par contre, je suis étonnée parce que... Ah oui, parce que j'ai rien à faire, il faut que j'aille pêcher mon poisson. C'est pour ça que je ne bouge pas. Alors, Stanley veut nous parler. Coucou, grand chapeau! J'ai besoin d'un sale œuf!
Tu sais, un sale œuf! Quoi? Tu sais pas ce que c'est? Comment ça se peut? C'est vraiment ordinaire et populaire! Tout le monde en a dans la cuisine! Tout le monde les aime! Oh allez, tu te moques de moi! J'aime pas quand on se moque de moi! Écoute, j'en rêve, j'ai besoin d'un sale œuf! Je crois que c'est juste un œuf qui veut. Donner. Un œuf, tu dis? Ça sonne pas juste. C'est pas un œuf, c'est un sale œuf. C'est comme ça que ma mère les appelait en tout cas. Quand j'entrais dans la cuisine pour le petit déjeuner que je jouais, elle disait Stanley, touche pas à ce sale œuf. Des fois, elle était fâchée. C'est pas ma faute, je jure. Et eux, ils ont faim. Je m'en doute un peu. Bâtonnet de poisson? Maintenant, on parle. C'est toute qu'une bouffe, ça, Scout. La cuisine du bistrot, c'est la meilleure quand tu as une fringale. Ouais, on a trouvé la cuisine du bistrot. Mickey, ici, t'es enchanté. Ah, c'est cool. Et ils veulent toujours qu'on aille au Mont-Brunoir. Et on va en profiter, on va leur faire un câlin pendant qu'ils sont là. Par contre, ça fait quelques jours que j'ai pas nourri Gustave. Je m'ennuie! Stanley s'ennuie! Qu'est-ce qu'il y a à faire autour d'ici? Un truc dangereux? Quelque chose qui peut causer des explosions? Tu es une adulte, non? Si je suis avec une adulte, je peux faire des choses dangereuses! Je suggère qu'on ajoute un endroit pour essayer des trucs cool et faire des expériences possiblement dangereuses! Oh ouais! Allez! Gustave, mon cher Gustave, où es-tu? Parce que il y a un moment, faut que je te nourrisse. Toi aussi, t'as faim. Bah oui, vous avez tous faim. Faut que je fasse à manger, faut que je fasse à manger. Si je te donne ça, tu vas pas aimer. Tu aimes quoi exactement? Les aliments simples et quelque chose que je ne sais pas. As-tu échappé un kilo de sucre? Je n'ai jamais été fan du sucré. Ok, jamais été fan du sucré. Si ça m'apprendra, je te donne ça. Un câlin. Elle nous a fondu des choses. C'est parfait. Ici, on a Beverly. Qui a faim également. Effectivement, j'ai complètement oublié de te nourrir. Et j'ai rien du tout d'épicé. Alors. Elle peut pas toucher au stimulant. Si tu penses que je suis déjà intense, attends de voir comment ces trucs me rendent démente. Ce n'est pas que je les aime pas, c'est juste qu'ils me font me pas sentir bien. J'ai déjà assez de bev. Ok, tu m'ennuies. Faut que je fasse des choses. Pieuvre grillée? Ouais, c'est. Faut que je lui fasse de la cuisine épicée, hein. Faut que j'y pense. Je vais peut-être du coup aller. On cherchait de la graine de flamboyante pour faire de la nourriture épicée. Et du coup, elle nous a tricoté ça. Ça devrait nous garder bien au chaud si jamais la météo s'envenime. On a eu un tissu de laine. C'est parfait. On peut récolter des tomates. J'ai toujours pas retrouvé Gustave, du coup. Gustave, où es-tu? Je vais planter un peu de ça. Donc objectif, hein, trouver Gustave. Même s'il a l'air d'avoir Stanley qui veut nous parler. Oh! Tu l'as déjà construit? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends! Ça, c'est un cellier! Tu mets des choses dedans et puis tu attends? C'est tout?
Oh là là, c'est ennuyant! Pas du tout ce que j'avais en tête. Je suis si déçue! Je voulais du feu, des explosions. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est si stupide! Ok, donc en fait c'était ça qu'il voulait qu'on construise. Bah, heureusement qu'on l'a construit du coup. Si jamais vous voyez Gustave, hein, vous me le dites parce que. Parce que je le vois pas. Tout simplement. T'es où Gustave? Ah, Gustave est chez lui. Il était pas tout à l'heure. Bah oui, tu es affamé, bien sûr. Que t'es affamé, mais tu te caches, mon gars. On lui donne des mollusques vapeur. Parce qu'on sait qu'il aime. On lui fait un câlin parce que on s'excuse. Et ce sera tout pour le moment. Eh bien, du coup, l'épisode est déjà suffisamment long. Donc on va s'arrêter là. On va tenter d'attraper des poissons la prochaine fois. Et je pense qu'on pourra aussi, vu qu'on n'est pas très loin, doucement. On pourra aller au seuil éternel en continuant à découvrir le chemin entre les deux pour y amener eh bien, notre amie Astrid. Mais ce sera eh bien, lors d'un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!